On est parti pour Phasmophobie encore ce soir. C'est parti. Il va falloir que je reconfigure encore le son. Toc 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 toc. Phasmo. Logitech et haut-parleur. Haut-parleurs. I've gathered a list of other hunters asking for help. Voilà. Bonsoir. 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 Le code est dans sur général. Si vous voulez, j'ai l'école en professionnel. L'école en professionnel à 3. Ah non, on est 4. 4, on est 4. Donc ouais, ça peut le faire. Il y a Lucien aussi. Est toujours pas là. J'en étais à Twitch, il faut que je modifie ça, que je me... Soir Paris, je peux vous entendre, tu m'as insulté fils de pute après mon départ, c'est sale. Moi aussi je t'aime Lucien. Test micro, à 2. Awan, 2, 3, 4. On t'entend. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Allo, allo, est-ce qu'on m'entend? Merci. Oh, la hot school. Alors, j'ai rajouté un peu d'équipement, du coup. Je voulais mettre à titre putaclic à Twitch, il m'autorise même pas. On n'est pas autorisé à mettre le mot tuer dans Twitch. Tiens, on t'entend pas. Tiens, t'as une pute. Tiens, t'es une pute, on t'entend pas. Rondaka.
il fait quoi, Lucien? Il s'est déconnecté et on l'entendait pas sur le jeu. Mais les coffres ne sont pas de réels coffres, c'est des genres de trucs de disques durs. Ouais, mais là c'est des disques durs, donc c'est beaucoup plus compact et beaucoup, mieux. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. Ah, super. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Voilà, j'ai fait une famille de peinture. Oh, bravo. Regarde, non mais regarde sur la banquette. Limite de peinture. Birds flying high. What? Do you want one thing? Il y a vraiment quelqu'un qui a mis ça sur voice mode. Oui, moi. C'est une jeune qui a mis ça. Secteur Clouir. Voilà. J'avais craché un coup. Si. Oui, il y a des trucs. Coucou.
Non mais je peux te fournir les blocs qu'il te faut. Non, enfin non, je veux te dire c'est quoi les blocs qu'il te faut pour faire un 3x3. Comme d'hab, le générateur il est juste à côté de Et par contre les gars, je me pose une question, je me demande si vraiment les trucs affichés sur le truc en liège là, sur le tableau en liège, est-ce que c'est des vrais articles ou pas? J'ai la flemme d'aller chercher donc Bah en tout cas c'est ressemblant, ça a l'air d'être des vrais articles. Intimation, base, bin, received, at the north time, lighthouse, board, and everything, at the low of the lighthouse, staff, at the flana, Islander, light home. Tree keeper, des espèces. Large visible celui-là. C'est le seul lisible de tous les articles qu'il y a. Celui-là, c'est possible que ce soit un vrai. Nightmare in a forest. Bon, Lucien, il fait quoi, là? Merde, yes, oui, il va faire un... Je sais pas... C'est vachement long. Ah tiens, le voilà. Attendez, on va s'ambiancer. Ah, Lucien... Incroyable du cul, monsieur Podbeur. Bonsoir. C'est de plus en plus long de rentrer dans les games, pour moi. Alors, empêcher les fantômes de chasser avec un crucifix, prendre une photo du fantôme et mesurer une température en dessous des 10 degrés. TP, tu es là? Oui. Et oui. C'est bon, Lucien est là. J'ai vu un truc. Attendez, ne changez pas les caméras, j'avais vu un truc. J'ai cru voir une lampe fantomatique. Déjà, ça arrête, hein, ça c'est incroyable. D'entrée de jeu dans un couloir. Incroyable du cul, monsieur Podbeur. Monsieur Podbeur. C'était pas ce couloir là. Le live de Romain pendant que ça charge. C'était pas la caméra. J'ai vu que vous lisiez les papiers qu'il y a au fond tellement vous faisiez chier à m'attendre. C'est gentil. Attends, c'était ici. J'ai cru voir les enfants automatiques ici. Non, c'est pas ma lampe. J'étais sûr d'en avoir vu. On aurait étonné parce que bon. Vous avez même pas pris les caméras vidéo. Merde, comment ça s'appelle déjà le fantôme, je me rappelle pas. Si j'en ai pris une. Ouais, je l'ai pas dit. Ok, alors je vais faire un récap du fantôme. Le fantôme s'appelle Betty Taylor et elle répond à tout le monde. Betty Taylor, ok. Betty Taylor, B-I-T-Y. Betty Taylor, comme ça se prononce. Betty, d'accord. Je dirais Betty. Betty, Betty, B-E-T-Y. Ok, c'est bon, joli. Est-ce qu'il faut que je te le marque ou... Je vais le voir aussi accessoirement. Ok, Google. Ouais, remarque. Oui, avec ton claque. Éteins le salon. Dégueulasse. Betty Taylor. Espèce de con. C'est déçu, connard.
Betty Taylor, donnez-nous un signe. Ah, ça y est, on a les bugs des caméras ou ça change de caméra toute seule. Betty Taylor, êtes-vous là? Donnez-nous un signe, s'il vous plaît, madame. Putain, vas-y, mais arrête. Bon, bah, je vous rejoins. Betty Taylor, êtes-vous là? Alors, pour information, les gars, j'irai pas quitter le van et rentrer dans l'école, les gars, juste à vous trois. Hein. Vous avez réussi déjà rien qu'à monter à 8 au niveau échelle sur l'activité totale. Vous êtes à 8 là. Donnez-nous un signe. Ah, elle a donné un signe. C'est où le téléphone? J'ai l'impression qu'il était en bas. J'ai l'impression qu'il était en bas. Je sais pas. Je sais pas, j'étais trop loin pour déterminer si c'était en haut ou en bas. Je vais dire que c'est en haut. Ouais. Mais je suis pas sûr. Ouais, on dirait aussi bien qu'elle est en haut, la pute. Elle est bien en haut, je pense qu'elle est bien. J'ai commencé à m'approcher de sa porte, ça fait moins d'âge. Wesh, c'est quoi ça? Ah, ton frère, Romain, sérieux. Donnez-nous un signe. Vous êtes où? Je vous vois pas. Oh putain! Elle est là, c'est une petite fille. Ah oui. C'est une petite fille. Mais on n'a pas de... On a ah pas oui, de... effectivement. On n'a pas l'appareil la photo. Bon bah je pense que c'est là, hein. Donnez-nous un signe. Les gars, je vous vois pas. Niki. Température glaciale, hein. Température glaciale. Il est là le téléphone. Le MF est qu'à deux au téléphone, je pense pas que ce sera ça. Non, je pense pas non plus, mais attends. Là, je continue dans un long couloir. Quelqu'un à l'appareil photo? Escalier de droite. Écrivez sur le livre. Ok, bah j'arrive. Petite fille, écrit sur le livre. Parce que c'est le long couloir du gauche. C'est tellement triste. Oh tiens, il y a la preuve ADN qui est juste là en plus. Faut la prendre en photo. Bon, je vais chercher l'appareil. Ouais, j'arrive vers les autres, hein. Je vais chercher l'appareil photo. Parce qu'il y a la preuve ADN dans la salle du fantôme aussi. Vraiment? Oh, la chance. Oui, oui, oui. Elle est juste en dessous d'une chaise en fait. Bah très clairement, on a une chance de malade, hein. Tellement. Parce que alors, avec le taille de l'école, c'est tellement de la chance d'avoir la preuve ADN là, quoi. Je vais prendre l'appareil photo, comme ça, si jamais elle réapparaît. C'est quoi la preuve ADN? J'en ai jamais entendu parler. C'est l'espèce de d'os qu'il y a par terre, tu vois, à l'entrée de la salle, t'as une table avec une chaise et il y a un os par terre, c'est ça la preuve ADN. D'accord. Bon, vous êtes... Ah, vous êtes là. Oh, fantomatique, les gars. Appareil photo, j'en ai pris deux, j'ai bien fait. Donc on a déjà deux preuves. Température glaciale et hors fantomatique. À vos ordres, chef. Je pense pas que ce soit le MF parce qu'il était qu'à deux quand ça a sonné et je l'ai essayé aussi quand il Non, non, c'est pas le MF parce que quand le fantôme a apparu, il a même pas capté quoi que ce soit donc. Regardez ma cam et dites-moi quel genre de fantôme peut faire ça. Bah. On est pas dans l'école, on est pas dans le camion, mon petit Lucien. Ah merde, en gros, il y a un livre qui vole. Oh. D'accord. Ça peut être intéressant à prendre en photo comme interaction, ça. Pourquoi t'as refermé? C'est pas moi. Toc, la preuve ADN, c'est good. Quel âge as-tu? Elle a écrit dans le bouquin, laisse tomber, Romain. D'accord, d'accord. Prenez en photo le livre qui vole. Il est où le livre qui vole? Ah oui. Devant moi. Ah oui, grave.
Alors, on avait dit température glaciale, écriture fantomatique et orbe fantomatique. Nous avons affaire à un Yuré. Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. J'ai peur. Donnez-nous un signe. Peur. Petite fille. Laissez-moi dans mes toilettes. Petite fille. Donnez-nous un signe. J'ai peur en tant que fantôme en fait. Donnez-nous un signe. Il nous reste des missions. Betty Taylor, donnez-nous un signe. Il y a crucifix et puis je crois prendre une photo du fantôme. Est-ce que je suis le seul à avoir bugué, Romain, ou vous avez tous été déconnectés aussi? Hein? Oh merde. Chier. Feuillèche. Ça m'a marqué que client timeout. Quoi? Ah ouais, je suis pas tout seul. Bah rentrez les gars, hein, parce que de toute façon on a découvert le fantôme donc. Et en fait ça a bugué, moi juste après est-ce que je me suis rentré dans une salle pour me cacher de l'attaque? Quelque chose, Romain, mais c'est pas très poli. Ouais, ça a pas intérêt que je me mette sur ton live, du coup, Romain. Ok. Ça pue quand même là, ce bug là, putain. Il est au courant Lucien que c'est bon par contre. Je suis triste, je me suis fait déco. Ouais, bah moi aussi, Lucien. Je me suis fait déco pendant. Ah, toi aussi, tu t'es fait déco? Ouais, pendant. Ah, d'accord, donc c'est pas dû au PC. Ça m'a marqué client timeout. Ah merde. Ah oui, alors. Je pensais le jeu, il est encore en version bêta, donc.
Ouais, moi je... Ouais, je pensais que c'était l'ordi de Guillaume, mais... Ouais, ça va, ça arrive pas trop souvent non plus. Oui, voilà. Je trouve que pour un jeu bêta... Il sera prêt pour Halloween prochain. Je trouve qu'il est... Il est plutôt pas mal pour un jeu qui est en version bêta, quoi. Ouais. Y'a pas beaucoup de bugs. Si vous voulez, j'ai de nouveau les guns. Oh non, change un peu. Pour une ferme house sans professionnel. Oh, parfait. Ouais, c'est... J'espère juste que dans la prochaine match, mec, il va rajouter des maps. Ouais, grave, parce que... Enfin... pas des maps trop grandes, par contre, parce que vraiment, l'asile, c'est un enfer. Ouais, je pense que d'un côté c'est très dur de rajouter des maps, parce qu'il faut qu'ils mettent en place le fait de, pour le fantôme qui se place et tout, truc comme ça, ça peut être très compliqué. Non, ou alors, oui, c'est que... Je pense pas qu'ils vont se limiter qu'à ces maps là, ils vont en rajouter au fur et à mesure. Non, non, ils vont rajouter au fur et à mesure, mais ça va prendre du temps, je pense. Bêta, hein, donc, moi, pas, je préférerais qu'il... En version bêta, il est en accès anticipé, donc c'est... Voilà, c'est... Oui, oui. Je préférerais qu'ils développent les différents types de fantômes et qu'ils aient plus de possibilités, plus de parcours, plus d'attaques différentes, plutôt que de mettre des milliards de maps. Parce que concrètement, les fantômes, c'est un peu tous la même chose. Ouais, mais bon, c'est pareil, ça. Non, et puis bon, j'espère aussi, surtout, qu'il va avoir une amélioration au niveau des nombres de places qu'il y a dans les parties. Mais notamment le fait qu'on puisse contrôler le fantôme, ça je trouverais ça, mais alors génial. Je peux lancer, c'est bon? Ouais. Non, ou sinon le fait qu'on puisse avoir plus d'interactions quand on est mort aussi, ce serait sympa. TP, j'ai ta grosse bouche en plein écran. Oh, mets-moi la langue. Est-ce que tu veux que je te lâche un petit peu l'entrejambe? Oh, attends, bouge-moi. Ah non, c'est horrible. Ah, puis alors en plus, je vois ta tête. Je vois ta tête en train de me regarder. Pendant que tu fais ce bruit, s'il te plaît. Mesurer une température en dessous de 10 degrés, empêcher de chasser avec un crucifix. Il s'appelle Michael Jackson. Ah, Michael Jackson, carrément. Michael Jackson. Il répond à tout le monde. On a la preuve que Michael Jackson est mort. Nous avons Michael Jackson, un fantôme. Magnifique. Attends, mais les gars. Ça va être horrible, c'est un qui se fait tuer par Michael Jackson. Si on voit le fantôme faire un moonwalk. Bonsoir. Prenez les caméras vidéo, hein, les caméras frontales, les gars. Alors,
On a pas pris la clé, je pense. Michael Jackson. Si, 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 oui, si. Bon. Je la prends toujours. Moi, je l'oublie toujours. Michael Jackson, fais-nous un petit moonwalk. Michael Jackson, êtes-vous là? Donnez-nous un signe. Michael Jackson. Donnez-nous un signe. Ok, parfait. En vrai, c'est incroyable qu'il s'appelle Michael Jackson. Michael Jackson, donnez-nous un signe. Il mettait un nom, un prénom aléatoirement et on est tombé sur Michael Jackson, c'est fou. Michael Jackson, donnez-nous un signe, s'il vous plaît. Michael Jackson, donnez-nous un signe. Ah, il y a la preuve ADN. Preuve ADN dans la salle de bain du haut. Attendez avant de la ramasser, il faut la prendre en photo. Michael Jackson, donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Bon, apparemment, c'est pas en haut. Hein. Il va pas nous faire de moonwalk. A votre avis, il sera blanc ou noir? Quelle question! Jaune. Il demande s'il va être blanc ou noir. Michael Jackson, donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe, là, Michael Jackson. Michael Jackson, donnez-nous un signe. C'est bien l'étage, je suis désolé de te décevoir. Ah bon, c'est bien l'étage, pourtant il a pas répondu à mes interactions. Bien l'étage, donc. Il est où? C'est parce que t'as pas un enfant qui t'a pas répondu. Ah oui, ça doit soit, être ça. Soit dans cette ville, soit dans la chambre qui est à côté de l'escalier. Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe, Michael Jackson. TP. C'est soit ici, dans cette zone-là, soit dans la chambre-là. Michael Jackson, donnez-nous un signe. Ici? Ouais. Ah oui. Je trouverai les photos d'enfants, Michael Jackson. Quel âge avez-vous? Dans le livre, Michael Jackson. Fais-nous un moonwalk. Écrivez dans le livre, tout le monde. Michael Jackson. Oui, réponds à tout le monde. Donnez-nous un bon, signe. Bon, Spirit Box, ça donne rien. Bon, ok. Je vais chercher l'appareil photo, moi. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Qui c'est qui a pris l'appareil photo? C'est moi. Alors, j'ai dit, je reviens, je vais chercher l'appareil photo et toi, tu l'avais et comme un con, tu me laisses aller le chercher, quoi. Je t'avais pas entendu. Alerte au Google. C'est juste un bar commun. Est-ce qu'il y a des ordres fantomatiques ou... Et vive les gros. C'est quoi qu'on doit prendre en photo du coup? Et vive Michael Jackson. La preuve ADN dans la salle de bain, faut la prendre en photo. C'est une salle de bain à l'étage? Oui. Ouais, la salle de bain, la pièce du milieu là, ouais. Attends, reprends-moi avec l'os. Venez tous sous la photo, non, les gars. Gâche pas la photo, Non, gâchez pas les photos parce qu'on en a que 5. Donc gâchez pas, s'il vous plaît, là. On aurait deux appareils encore, pourquoi pas, mais là... Michael Jackson, oh, putain, donnez-nous un signe. Michael Jackson, donnez-nous un signe, Michael s'il Jackson, vous plaît. Vous êtes un gros con.
Michael Jackson, on vous a toujours dit de ne pas toucher les enfants. Putain, c'est horrible. T'es con, putain. Non, fantomatique. Non, fantomatique. Alors, c'est soit un fantôme, soit un cauchemar, soit un ouvrier. Spirit Box. Mais Spirit Box, j'ai essayé, ça marchait pas. Le MF, il est à l'entrée de la maison, je l'ai foutu par terre à l'entrée de la maison. Quel âge avez-vous, Michael Jackson? Quel âge avez-vous? Michael? Quel âge avez-vous, Michael? Quel âge avez-vous, Michael Jackson? Quel âge avez-vous, Michael Jackson? Donnez-nous un signe. T'avais dit il y avait des orbes fantomatiques, température glaciale. Aspect. Jackson, où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Déjà, il y a la lumière. Michael Jackson, donnez-nous un signe. Oh putain. Le mec donne rien du tout, hein. Il y a eu un bruit chelou, là. Ah, y'a peut-être des chances que ce soit K4. Le MF alors, hein, parce que... Je suis K4. K4, il peut aller jusqu'à 5, hein. Mais... Vous avez entendu, il y a eu un bruit chelou, là, non? Oui. Ouais, mais il a dû apparaître quelque part, parce que... j'ai... Bah c'est pas le crucifix qui a marché. J'avais le cœur qui battait. Si, c'est le crucifix qui a marché. Je pense. Parce qu'il a fait deux fois le bruit, donc je pense que le crucifix a marché. Ah, moi j'ai entendu qu'une fois le bruit. Michael Jackson, moi, donnez-nous un signe. Il n'a pas marché dans le sel par contre. Oh putain, il est là! Il est là! Il était à la fenêtre! Apparu devant moi, il était devant la fenêtre, là j'ai eu le temps tout juste de me mettre... Putain, il a pas marché dans le sel, le bâtard. Non, je confirme, il a pas marché dans le sel. Par contre, je crois que c'était le MF5 hein, qu'il y avait. Hein. Ah bon? Je suis pas sûr, hein, mais je crois que j'ai vu le MF5. Hein. Mais de toute façon, s'il est monté jusqu'à 4, c'est qu'à un moment donné, il montera à 5. Hein. Parce qu'en général, si c'est pas le MF qui marche, il va à 2, 3 maximum, mais pas plus. Hein. Donc pour moi, c'est le MF le dernier indice. Laisse ça pour terminer. Le crucifix n'a pas marché, le sel n'a pas marché. Bah, ça... Ah, il est mort là. Alors je crois que Lucien vient me hanter sur le chat, enfin sur mon chat de la... Mec, attends, TP, passe-moi l'appareil photo, vite.
Quoi? Je t'entends passer devant. Non, faut pas le gâcher, un appareil photo. Non mais, tu vois son corps ou pas? Oui, bah oui, mais je l'ai pris en photo. Non, moi je le vois complètement. Moi je le vois empalé sous la rambarde d'escalier, c'est trop marrant. Ah non, moi je le vois, il est à moitié dans le mur. Le crucifix a marché, je répète, le crucifix a marché. Ok, et le dernier c'était quoi? Bah c'est le sel. Marcher dans du sel. Michael Jackson, donnez-nous un signe. Le fantôme a marché dans du sel, le fantôme a marché dans du sel. Ah bah ok, c'est bon alors. C'est dommage, on aurait bien aimé prendre la photo mais... Alors non, c'est pas le MF. Non, c'est des empreintes. Est-ce que j'ai en fait. Non, c'est pas les empreintes. Si, c'est les empreintes. Regarde le journal, tu le verras de toi-même. Parce qu'en fait j'ai le fantôme qui est apparu devant moi, j'ai essayé de le prendre en photo. Mais je l'ai pris trop tard et en fait ça a pris en photo des empreintes de pas. Mais attends, c'est pas possible, il y a aucun fantôme. Avec empreinte. Ouais, il y a aucun des trois fantômes avec empreinte, donc c'est pas empreinte du tout. Hein. Ah merde. Ah bah c'est parce qu'il a marché dans le sel, c'est une photo du sel qu'il a pu se faire. Ok. T'es bien ? Oui, je suis là. Michael Jackson, donnez-nous un signe. Qu'est-ce que tu fais, t'es bien, on a le droit de toi. J'essayais pour le prendre en photo, mais bon, j'arrive pas, donc... Ah oui, non, mais c'est quand même c'est dommage parce que j'aurais pu le faire tout à l'heure si j'avais l'appareil photo qui était dégainé, en fait j'aurais pu l'avoir mais tant pis. On a dit le MF hein. C'était quoi les autres? Pas moi, c'était le MF. Bah des rétro Satanas, Lucien Fantomas. On avait soit le fantôme, passé... soit le cauchemar, soit le Yuré. Donc. Il passe à côté de ça, apparemment, le fantôme. Le fantôme. Par les pouvoirs qui me sont confiés par la divinité pure et dure du Seigneur, je te bannis de cette terre, Lucien. Je ne refuse que tu envahisses ce camion et la chatte de squad. J'ai été revoir le bouquin, il n'y en avait pas. Donc pour moi ça peut être que MF niveau 5 parce que je pense vraiment que je l'ai vu au niveau 5 le MF à un moment donné. D'accord. Je pense vraiment l'avoir vu, mais de toute façon on a eu un niveau 4. Ouais, on a eu un niveau 4, je crois qu'il y a eu un niveau 4. Donc et vous voyez, moi vous avez 25%.
Enfin, toi, t'as 25%, Romain. Et moi, j'ai vu le fantôme, je suis à 0. Donc, et un fantôme, quand on le voit, en fait, il fait baisser la... considérablement baisser la santé mentale. Donc, pour moi, ça se tient. Pour moi, ça se tiendrait. Yes. Par contre, ce qui est parce étonnant, c'est qu'on n'est pas... Vous n'avez pas trouvé de planche Ouija dans la maison? Non, je cherche tout le temps la planche Ouija, donc il faut la salle du fantôme. Le fantôme, en général, est invoqué par une planche Ouija, donc on devrait en trouver une, enfin, ce serait la logique, quoi. Peut être invoqué par une planche Ouija. Oui, c'est vrai. Pas obligatoire. C'est marqué rempli, peut être. Vous avez tous rempli le truc? Ouais, si moi j'ai rempli, mis fantôme. Tu mets fantôme, si t'as rempli, balance-nous un truc à la gueule. Pas sûr qu'ils sont au courant de cette option là. Lucien, si t'as rempli, tu peux le dire sur mon chat. Putain de merde, c'était un Yuray. C'est un Yuray. Il a jamais écrit dans ce putain de bouquin, il se fout de la gueule du monde ou quoi? Le bouquin était peut-être mal placé aussi. Attendez, vous avez pris la preuve ADN en photo mais vous l'avez pas ramassé? Vraiment? Oh merde, on a fait qu'on a fait une TP. Et après vous parlez de moi. Personne n'a ramassé l'os. Après vous parlez de moi, putain Lyon. Personne n'a ramassé l'os. C'est pas mieux les mecs. Hein. Moi qui pensais que TP était seulement comme ça. Normalement c'est celui qui prend la photo qui ramasse l'os en fait. Hein. Je veux pas dire mais. C'est qui a dit cette règle et on était trois dans la pièce. Hein. Bah ça paraît logique puisque on attend la photo pour pouvoir le prendre. Donc le mec qui prend la photo bah il prend l'os quoi. C'est plus ouais mais j'étais pas le dernier à sortir de la pièce. Plutôt la logique. Des bottes de lumière, ouf, parce que faut que je rachète ça. Des trucs derrière. Toc. Ça va, Lucien le fantôme? Ouais, je suis triste. Et au final, ton détecteur de mouvement n'avait pas disparu. Hein. Ah bon? Parce que moi je le trouvais plus. Tu l'as mis dans l'encadrement de porte. Ah d'accord. Donc à chaque fois que quelqu'un passait la porte, ça faisait bip, bip. On se dirait au supermarché, tu sais. Mais là c'était le supermarché des êtres vivants et des morts. Mais c'est pas là que je voulais le mettre, il s'est mis du mauvais côté. Mais même pour toi, le détecteur de mouvement il fonctionne, lui c'est. Quand tu passes devant ça fonctionne. Ah mais c'est pas là que je voulais le mettre. Bah oui. Donc, mais ça a fonctionné sûrement pour le fantôme. Bon bah au moins on a la preuve que même si le MF monte jusqu'à 4, ça veut pas forcément dire que c'est ça. Parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il est jamais monté au-dessus de 3 quand c'était pas un truc qui détectait le MF quoi. Mais c'était un pur hasard en fait. Ce qui est bizarre c'est qu'il a jamais réécrit sur le bouquin hein, quand même. Ouais, c'est vrai. Parce que. Alors pourtant, il était bien dans la chambre, parce que quand je l'ai vu plusieurs fois. Quand j'étais à côté du lit, il a pop à côté de moi tout à l'heure, donc. Je comprends pas. Johan? Ouais. Bah, t'es prêt ou pas?
Je me mets un putain de foutu de panier de merde. Mais oui, mais putain, mais on t'attend en fait là, Johan. Attends, je mets le panier et j'arrive. Grouille ton cul, s'il te plaît. C'est ta grand-mère. Je te baigne. Ton frère. Waouh. Waouh, Robin, ton frère, il est vénère. Je te baise. C'est ta grand-mère, je te baise. Et c'est nous les obsédés. Bon allez Johan, s'il te plaît, on attend que toi là. Merci. Espèce de pute. Hein, t'es qu'une grosse pute, TP. Ouais, regarde-moi, t'es bien une pute, toi. Ouais, une pute. Je veux pas dire en fait, mais qui c'est qui essayait de me sucer depuis tout à l'heure? Bon, je me mets en PLS. Sale merde. Vous entendez pas mes sons en plus. Bah refais tes sons. Quoi? Refais tes sons. Et vous, qu'est-ce que vous prévoyez pour la Saint-Valentin? Vous allez niquer? Alors, faire marcher un fantôme dans une cellule, détecter la présence de fantômes avec un capteur de mouvement, empêcher le fantôme de chasser avec un crucifix. Le fantôme s'appelle Donald Trump et il répond qu'aux personnes seules. Comment ça, Donald Trump? J'ai cru. Ça aurait été incroyable de faire du Michael Jackson suivi de Donald Trump, quoi. Il y a quand même le Donald. Ouais, il y a quand même Donald. Donald Thompson, ouais, empêché avec crucifix, capteur de mouvement, sel. Donald Thompson. On est en professionnel toujours. Exactly, no strike. Donald Trump, direct, tu m'as fait. Donald Thompson, il faut que tu battes Biden. Personne seul, c'est vrai. La chasse aux Mexicains est ouverte, les gars. La chasse aux Mexicains est ouverte. Donald, j'ai retrouvé une de tes balles de golf. Donald Thompson, êtes-vous là? Donald, j'ai trouvé un courrier que tu as envoyé à Biden. Donald Thompson, donnez-nous un signe. Il y a des menaces de mort dessus. Donald Thompson. Donald, j'ai trouvé le produit qui fait avoir la peau orange. Bébé, tu peux arrêter de jouer avec ce bouton, s'il te plaît? J'ai pas envie. Après, Trump, il veut croire que c'est les Mexicains qui ont mal fait l'installation. Donald Thompson, donnez-nous un signe. Avec toutes ces conneries, j'ai oublié ce que c'est son nom de famille. Donald Thompson, Thompson. Je viens de dire. Ok, merci. Preuve ADN dans la cuisine. Donald Thompson, donnez-nous un signe. Donald Thompson, donnez-nous un signe. Ah, la radio de la chambre, de la même chambre tout à l'heure, je crois que c'est déclenché. Ah non, elle doit être en bas.
c'est en bas. Donald Thompson, donnez-nous un signe. Il y a 7. Au niveau de l'escalier, on est à 4, voilà. 15. C'est vraiment bizarre, c'est pile sur ces marches-là. C'est vachement réduit comme zone. On a déplacé le journal alors, parce qu'il est pas au bon endroit. J'ai pas de place. Vous êtes où? Vous êtes en haut? Voilà. Non. Bob ADN était dans la cuisine, vous avez dit. Hein. J'ai pris en photo aussi. Ah, ok. Thompson, écrivez sur le livre. J'ai un MF à 2 là. Donnez-nous un signe. Ah, il répond qu'aux personnes seules. J'ai peur, Donald. Donald Thompson. Arme fantomatique. Il l'a déjà dit. Arme fantomatique. Il a déjà dit, Romantel. Vous avez placé un détecteur de mouvement? J'ai le fantôme en photo. Tu le mets où le tien? Bah, il y avait le fantôme juste devant vous là en fait, les mecs. Il m'a gueulé dessus. Je l'ai pris en photo, c'est bon. Je l'ai pris en photo. Bien joué. Et le MF est pas monté à plus de 3, même quand il était là. Donc ce serait pas ça. Faut essayer la spirit box. Ouais.
d'écrire dans le bouquin, attendez avant de rentrer parce qu'il était en MF3 au niveau du bouquin. Qui a l'esprit box? Je sais pas. Moi j'ai l'appareil photo et... Pas moi. C'est lui. Non, il a pas écrit. Hein. Il a pas écrit dans le livre. Lucien, c'est toi qui as la script box? Non, elle est là. Comment ça encore quand même un truc à tester? J'arrive pas à le prendre. Il faut être seul, c'est ça? Oui. Oui, il faut être seul là. Le laptop doit être là. Il y a toujours piano. Ouais, la lumière de la cuisine qui s'est allumée toute seule. Demande-lui quel âge il a. Donald Thompson, quel âge avez-vous? Donald Thompson, quel âge avez-vous? Donald Thompson, construisez un mur. Bon, si il répond pas, c'est qu'il est pas. Donald Thompson. C'est pas grave d'être vieux. Attends. Il a allumé la lumière de la cuisine, c'est ça? Ouais. Oui. T'as regardé l'interrupteur? Ouais, j'ai regardé, j'ai aucune empreinte. Ah, si, empreinte. Là, t'as une empreinte? Ok. Interrupteur en face de moi, là. Je la vois pas, mais c'est pas grave, l'appareil photo la verra. L'appareil photo la vue. Coup... Quelqu'un peut remettre l'appareil photo qui. Enfin, la caméra vidéo qui est sur la patte de l'escalier? Donald Thompson, es-tu là? Elle marche pas. Ah bah ça peut être qu'un Donald poltergeist Thompson. En fait. Même si on n'a pas la dernière Donald preuve, Thompson, de toute façon y'a que le poltergeist. Bah, il a pas l'air de répondre à mon truc et l'EMF était à 2. Bah, de toute façon, c'est que la spirit box hein, normalement. Ouais, c'est que la spirit box. Parce qu'en fait, là en mettant orbe fantomatique et empreinte, en fait ça nous donne que le poltergeist en possibilité. Eh, mais. C'est la première fois que ça nous fait ça quand même. Ça clignotait. Ouais, grave, c'est la première. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'il a besoin que de deux indices pour être ok. Il n'y a aucun objectif de paix. Super, on va faire le provoquer alors. Donald Thompson, es-tu là? Donald Thompson, quel âge as-tu? Donald Thompson, je sais que t'es censé répondre avec cette merde, donc réponds cette petite pute. Quelle Donald violence. Thompson, quel âge as-tu? Allez, vas-y, Donald. C'est quoi là? Oui, c'est moi là. Bon bah, il peut pas répondre. Hein. C'est quoi? Ah, Lucien, je crois qu'il a planté parce qu'il a disparu devant moi. Oui, il a planté. Quel âge avez-vous?
Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Reste pas là! Non, reste pas là, Johan! Il parle qu'aux personnes seules. Quel âge avez-vous? 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 Que recherchez-vous? Que voulez-vous? Donald Thompson, quel âge avez-vous? Non, j'avoue qu'il répond même pas à la Spirit Box. C'est chelou quand même. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Donnez-nous un signe. On a vraiment mes zéro objectif de fait, c'est un truc de fou. Oh putain! Quel âge avez-vous? Il est apparu devant moi, le bâtard, il m'a fait peur. Lucien va sur Minecraft, il s'arrête là. Quel âge avez-vous? Ah bah oui, oui, le capteur de mouvement, il a pu être fait, oui, ça c'est clair, parce qu'il est passé devant moi à toute petite rure, il est passé au fond de la pièce, là. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Ah non, mais si t'es là, en fait, il va pas me parler. Hein. C'est marrant qu'il ait pas marché dans le sel tout à l'heure parce qu'il était passé là en plus. Ouais, c'est très bizarre, je sais. Quel âge avez-vous? Mais j'ai rajouté un deuxième truc de sel pour être sûr qu'il passe dedans. Fermer la porte, c'est quoi? Quel âge avez-vous? C'est quand même bizarre, tu vas y faire répondre. Hi. Quel âge avez-vous? T'as essayé d'aller jusqu'au piano? T'as essayé d'aller jusqu'au piano? Non, bah vas-y si tu veux, essaye. Je pense que moi aussi ça va être ma dernière game. On s'en fout. Enfin, c'est pour dire qu'on va peut-être éviter que j'y aille parce que j'ai quand même mis 400 balles de matos. C'est toi qui as Spirit Box? Je l'ai posé par terre là devant. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Oh, c'est bon. Faut pas être avec moi au cas où. Attends, je vais juste me mettre quelque part. Mais il va se détendre. Thank you.
Ah, c'est bon. Voilà, moi il m'a répondu. Bon, j'ai entendu, ouais. Bon, maintenant il faudrait qu'il attaque pour qu'il marche dans ce putain de sel. Ah, bah tiens. Éteins ta lumière, s'il te plaît. Vite. Ça marche. Marche dans le sel. Et comment il s'est fait buter? Romain, Romain, je crois qu'il est mort. Mais il est con. Je sais pas où, mais ah bah il est là. Et en plus, je crois qu'il a pas marché dans le sel. Pas de traces sur le machin. Qu'il a fait ça pour rien. Ah si, ça a marché. Ça a marché. Par contre, on n'a pas de crucifix. Arrête. Ils ont été mis où les crucifix? C'est pas Lucien qui les avait? Il y en avait des crucifix, je crois qu'il y en avait deux. Ben, il me semble qu'il y en avait deux des crucifix. C'était pas Lucien qui les avait les crucifix? Ah tiens, tiens, il est là, il est là, il est là le crucifix. Ouais, il y en a un par terre. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Risque de faire le dernier objectif. Où on Romain, c'est ta... Romain, si tu nous entends, si tu as trouvé notre crucifix, jette-nous un truc à la gueule. Il le verra pas, je crois. Si. Il le verra. Il le voit. Donc il y a déjà un truc. Attends. On l'a pas compté comme cadavre là son truc. Non plus. Merde alors, pourquoi ça compte pas comme cadavre? On a encore des appareils photo? Ouais ouais, on en avait trois. Non plus. Ah écoute, il va pas prendre le cadavre. Grand chose. Là, il était devant moi. Il est passé devant moi. Pourquoi? De quoi? Mais il était passé devant moi, il a été allumé et je l'ai vu. Enfin, je crois. Bah tiens, ça a compté le cadavre, alors qu'on voit ta grosse main devant. Non mais lol. Mais... il y a quand même des bons petits bugs. Hein. La logique de ce jeu. Bon, moi je pense, je serais d'avis de pas prendre de risques et de se casser. Tout le monde met bien Poltergeist en machin. Bon bah let's go. Welcome back. I prepared some jobs for you. Wow. C'est pas mal. $30. 180 200 XP 180. Ça, c'est cool. Je demande à Alé s'il veut venir.
Mais moi je pense que je vais arrêter là en plus. Ah, ok. Écris-toi. Qu'est-ce qu'on fait, on arrête là? Et toi t'es chaud pour continuer, Johan ou pas? Je suis chaud, mais alors je vais faire l'asile. Ah non, pas à deux. Hors de question. Ah, là vous avez que deux. L'école déjà à 3, c'est déjà pas possible. Alors l'asile à 2, laisse tomber, oublie tout de suite. C'est impossible. Bon, je vous dis à tout à l'heure, hein, les deux. À plus tard, Romain. Ouais, à tout à l'heure, Romain. À tout à l'heure. Ah bah c'est moi qui a le plein pouvoir, on dirait. Demande à aller s'il veut venir. C'est ce que j'ai fait. J'attends qu'il me réponde. Il est sur Genshin Impact. Qu'est-ce qu'on fait, on arrête là? On peut faire à deux, hein. À la limite on fait des petites maps à deux, hein. Si tu veux continuer. Moi je suis chaud perso, après ça dépend de toi. On peut faire une petite carte en attendant de se voir s'il répond, allez. J'ai que de l'amateur. Que de l'amateur, bah c'est pas grave, au pire. Ce sera vite fait et puis. On fera de l'XP facile. Pas besoin de mettre grand chose je pense. Ouais, juste ça suffit largement je pense. T'as mis Je vais peut-être mettre une deuxième caméra, on sait jamais. Je vais mettre un briquet et un bâton dansant. Ouais, on met que ça. La poche. Détecteur de mouvement. Bon, la caméra, je suis pas sûrement utile. Oh si. Deux caméras, histoire d'avoir deux angles différents. Bah let's go. Bah tiens, on a bien fait, on a besoin d'un capteur de mouvement, le sel et assister à un événement paranormal. Il s'appelle Maria Clark qui répond à tout le monde. Ok, d'accord. Donc nous avons 5 minutes de tranquillité, donc si on peut essayer de s'amuser à faire tous les objectifs. Ah attends, c'est quoi les objectifs? Avoir un événement paranormal. Faire marcher dans les centres. Détecter une présence de fantôme avec un câble. Je vais pas prendre le bouquin, okay. En fait, je vais plus prendre le thermomètre.
Ouais, et... prends le thermomètre pour être sûr. Let's go. Cette maison, d'accord. Oh bah c'est... Ouais bah elle va être rapide celle-là, elle va faire le tour. Maria Clark, êtes-vous là? Maria Clark, donnez-nous un signe, Maria Clark. Maria Clark, donnez-nous un signe. Maria Clark, êtes-vous là? Maria Clark, donnez-nous un signe. Maria Clark. Regarde bien si tu vois le... Maria Clark, donnez-nous un signe, Maria Clark. Maria Clark. Ah, elle est où là? Non, excuse-moi, c'est ma caméra. Ah. Maria Clark, donnez-nous un signe, Maria Clark. Maria Clark, donnez-nous un signe. Bon, visiblement elle est pas en bas. Hein. Pas de okay. Température descendue en dessous de 13. T'as pas vu la preuve ADN? Non. J'ai pas fait attention, je t'avoue. Regardez le thermomètre là. Donnez-nous un signe, Maria Clark. Maria Clark, donnez-nous un signe. Maria Clark, êtes-vous là? Donnez-nous un signe, Maria Clark. Maria Clark, donnez-nous un signe. Maria Clark. J'ai trouvé la preuve ADN, je vais la prendre en photo. Ok. Maria Clark. Ah, dans la salle de bain en haut à l'étage, il y a 8 degrés. Ok, donc okay vas-y, redescends. Là. Et j'ai un EMF3. Maria Clark, êtes-vous là? Donnez-nous un signe, Maria Clark. Ok, d'accord. Maria Clark. Maria Clark. Il y a le MF niveau 3 dans la salle de bain en haut. Ah, elle a fait couler de l'eau. Elle a lancé de l'eau. Faudra la prendre en photo. À l'étage. Attends, dans la salle ouais, bah, ouais, ouais, vas-y, attends, on va y aller tout. Non, mais c'est bon, je l'ai, c'est bon, t'inquiète. Bon, le thermomètre. Ouais, j'en ai un. Mais il y en a deux, si tu veux. Le thermomètre, il y en a plus besoin, je pense. Bah, ça sert à rien qu'on l'ait. Moi je vais juste prendre la caméra et le détecteur. Il est où le détecteur? Je sais pas où on en est dans le timer. Ah, il nous reste une minute à peu près. Même pas. Il nous reste une trentaine de secondes. 1 minute 30 pour info. Ah ok, d'accord, j'avais mal lu. Écrivez dans le livre, Maria Clark, s'il vous plaît. Écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre. Elle l'a fait couler dans la cassette de bain. En haut à l'étage, à côté de la chambre à droite, là. C'est là qu'il est, le fantôme. Dépêche-toi.
Et pourquoi tu confirmes, tu l'as vu? Ouais, ouais, je l'ai vu, elle est passée devant moi. T'as pu la prendre en photo ou pas? Ah non, j'ai pas eu le temps, c'était tellement rapide. Et j'ai pas vraiment vu, j'ai juste entendu son bruit sourd. Dommage. Mais elle m'a fait flipper cette pute. Tiens, prends en photo l'interrupteur, il y a une empreinte. Donc on a empreinte, on a d'autres choses en indice ou pas? Bah attends, je vais la regarder. Le bouquin, il y a rien dedans. J'ai mis une caméra, regarde voir s'il y a orbe fantôme. Ouais. Ouais, ouais, il y a orbe fantomatique, ouais. Donc, on a orbe, empreinte. Bah, c'est un poltergeist. Poltergeist, voilà, bon bah. Voilà, c'est fait, ça c'est fait. La spirit box en fait. Le faire marcher dans du sel. Bah, du coup, bah là, ça va être facile, hein. On a pas besoin de VMF. Prends un crucifix, s'il te plaît. On va prendre le sel. Moi, je prends un crucifix. On va en mettre deux. Non, pas de risque. T'as pris le capteur de mouvement? Non. Non, j'ai pas pris. Bah merde, attends, il est où? Regarde s'il est pas par terre. Bien vu, Sherlock. C'est ATP? Ouais, je suis là, ouais. Le crucifix, là, je vais le mettre dans le couloir. Et l'autre, mets-le dans la salle de bain. Elle répond à tout le monde, je crois, elle. Ouais. Maria Clark, êtes-vous là? Donnez-nous un signe. Et j'adore le zboob, oui j'adore le zboob. Et j'adore le zboob, oui j'adore le zboob. Et j'adore le zboob, oui j'adore le zboob. On va attendre là comme des cons. Ça pouvait marcher. TP. Oui, oui. Ce qu'il faudrait, c'est qu'elle attaque en fait. On la va pas attaquer, on l'appelle même pas. Maria Clark. Hey Maria Clark, t'es une grosse pute. Est-ce que t'aimes bien sucer les boules? Eh hey Maria Clark! Mais vas-y, si t'as des couilles, vas-y, montre-toi, wesh! Elle a marché dans le sable, je crois. Parce que là, tu vois, il est un peu. Il y a eu un truc, il y a un truc, tu vois, il est séparé en deux, le machin. Je pense qu'elle a dû marcher dedans et dans la chambre. Thank you.
tous les coups. Parce que toi, ça va nous attaquer à tout moment, ça va voir. Ah, j'ai entendu le détecteur. Ouais. Bah, je crois qu'on a tout en fait là. Ah non, elle a pas marché dans du sel, connasse. Pourquoi ça a fait ça sur le truc? On a encore du sel ou pas? Tu l'as mis où le détecteur de mouvement? Je l'ai mis dans la salle de bain. En fait, faut y aller, faut la faire chier et puis faut. Faut la faire sortir de la salle de bain, quoi. Non, c'est bon, elle a marché dedans, regarde. Nice. Eh ben, on a tout réussi en fait, du coup. Non, on peut se barrer. T'as mis Poltergeist ? Poltergeist. Mec, à deux, on a fait une map en amateur, on a tout réussi. Bon, par contre, on n'a pas de photo de du fantôme. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave qu'on a quand même réussi à choper des photos. Donc... Ouais, 70$. C'est déjà pas mal. Bon, allez, je vais m'arrêter là aussi, du coup, pour ce soir. Ouais, la même. C'est pas mal. Vas-y, on se retrouve sur Discord. Ouais. Et bonne soirée à tous. Bonne nuit même. Welcome back. Ciao, bye bye.